Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour la présentation de ces prévisions de récolte pêche nectarine 2015. Prévision avec un petit peu de retard, excusez-nous. Il y a eu le quart d'heure catalan. Et puis cette année, vous le verrez, la campagne était un petit peu en retard. Et donc on s'est mis au diapason de la saison. Voilà. Donc on va quand même commencer. On va commencer par présenter les différents intervenants. On va commencer par Elisa Macchi pour l'Italie, qui est la directrice du Centre Service Ortofrutticolo de Ferrare. Nikos Koutliampas de l'AOP Velvendos dans le nord de la Macédoine, en Macédoine pardon, dans le nord de la Grèce. Javi Bassols de la Fédération des coopératives agricoles espagnoles. Manel Simo, le directeur de AFRUCAT, l'association des organisations de producteurs de fruits de Catalogne. Et enfin Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêche Nectarine de France. Voilà. Donc ces prévisions de récolte qui vont vous être présentées, comme tous les ans, elles sont réalisées par les différents partenaires de ces pays, qui pour la plupart sont représentés ici pour commenter ces prévisions. Donc pour l'Italie, c'est bien sûr le CSO de Ferrare qui réalise ces prévisions. Pour la Grèce, c'est les OP de Macédoine et notamment l'OP Velvedos qui coordonne la réalisation de ces prévisions. Pour l'Espagne, il y a un travail en commun pour la Catalogne au niveau d'AFRUCAT et pour le reste de l'Espagne par la Fédération des coopératives espagnoles. Et enfin, pour la France, c'est les services statistiques des DRAF sous l'égide du CRIS qui réalisent ces prévisions de récolte. Voilà. Donc, prévision de récolte que vous retrouverez en fin d'intervention sur le document que vous connaissez et qui vous sera distribué en fin de présentation et qui seront également mises en ligne sur le site du Medfel à partir de ce soir. Voilà. On va commencer, comme d'habitude également, par un petit retour en arrière sur la campagne 2014 en termes de volume et on fera un petit tour de table sur le déroulement de cette campagne dans les différents pays producteurs, avec la première diapositive qui représente la production 2014 des quatre pays producteurs. Donc là, vous avez la synthèse de la production pêche plate, nectarine et pêche pavie. Donc tout est cumulé. Et on voit donc une production qui l'année dernière avait été assez importante, hein, puisqu'on était largement au niveau des potentiels de production dans les différents pays producteurs. Il n'y avait pas d'accident climatique particulier, même s'il y a des petits orages de grêle, mais rien de très important pour affecter les volumes. Et on voit donc l'Italie qui en 2014 restait encore le premier producteur européen avec 1 380 000 tonnes, puis l'Espagne, la Grèce et enfin la France. On va commencer par le tour des différents pays avec l'Espagne. Donc en 2014, comme je vous le disais, un potentiel de production qui était relativement important avec dès le début de saison l'Andalousie qui avait un potentiel de production normal. Puis les régions au fur et à mesure en montant vers le nord qui sont rentrées sur le marché, Murcia, Extremadura, Valencia et enfin la région de la vallée de l'Ebre avec la Catalogne et l'Aragon. On va commencer peut-être par la Catalogne, donc pour faire. Oh, non, excusez-moi, on va plutôt commencer par l'Espagne pour justement parler des productions du Sud avec Javi Bassols, voir un petit peu comment s'est déroulée cette campagne 2014. D'abord sur le précoce où ça a été dès le début assez compliqué, et puis après également le déroulement de la saison en juin, juillet et août. Comment ont vécu cette campagne les producteurs espagnols? Hola, buenos días. Bonjour. Y bueno, pues decir que en Je voudrais général vous fue una dire qu'en campaña général, ça a complicada. été une Si campagne empezamos con el sur, compliquée. con una cosecha Au normal, la sud, zona nous avons une más récolte temprana, normale, la zone la y plus ya précoce, et con unos precios avec des prix sensiblemente inferiores a los de sensiblement campañas inférieurs anteriores. à ceux des Eso campagnes fue précédentes. la tónica Ceci en el sur de était España, ce tanto qui en s'est Andalucía passé dans como le sud en Murcia. d'Espagne, aussi bien en Desde un Andalousie qu'en principio Murcia. ya Dès le empezaron début, a reflejar on commençait que los à, precios nous no avons commencé à respondían voir que les ni a las prix ne expectativas correspondaient pas aux attentes et ne correspondaient ni a pas los non precios que plus habíamos aux tenido en prix que nous campañas avions anteriores. eus à l'occasion Y de campagnes luego, la précédentes. campaña en el norte, Ensuite, la pues campagne du también Nord una cosecha et la muy récolte aussi importante en était cuanto a très volumen. importante pour ce qui concerne le Yo diría volume. que On es pourrait dire una de las que cosechas c'est une des más récoltes, importantes ça a été en l'une la des historia récoltes de les plus España. importantes de l'histoire Yo, en d'Espagne. la campaña pasada, repetí en varias Et la ocasiones campagne précédente, j'ai répété que plusieurs fois jamás había que visto yo tanta jamais je fruta n'avais en los vu autant arbres. de fruits sur les arbres. La campaña pasada, Lors de la realmente campagne hubo un cuaje précédente, excepcional, antérieure, il y porque a tuvo eu una primavera une nourrisson muy extraordinaire favorable parce que le para el printemps tema était de la très producción y, por lo favorable tanto, fue et una par campaña en conséquent, ça a cuanto a été volumen, une bajo mi punto de campagne vista, pour ce qui est du excepcional. volume Y en exceptionnel. cuanto a la Pour ce qui comercialización, est de la pues ya commercialisation, la campaña, la pues en los campagne, meses de junio y pendant les julio, mois de empieza juin et el juillet, norte a recoger, on a pues ya commencé à venía algo récolter, lastrada,
nous n'étions plus déjà dans une campagne très très bonne, il y a eu des problèmes. Et lorsque s'est ajouté le facteur russe, lorsqu'il y a eu l'embargo russe, à ce moment-là, la campagne a dégringolé dans des conditions que je pourrais presque qualifier de dramatiques, dans le sens que, à la fin, ça a été la campagne la pire depuis plusieurs années. Beaucoup de producteurs et la campagne passée ont dit que ça avait été la campagne la pire dont ils se souvenaient. Et véritablement, lorsque est arrivé le moment des calculs, des liquidations, des résultats, ceci a été corroboré. La campagne 2014 a été la campagne la pire depuis plusieurs années. Cette campagne en Espagne, mais également dans les autres pays, ça a été aussi l'avance de la récolte, la précocité de la récolte. On a eu des conditions de printemps, comme vous l'avez dit, assez particulières, et on a eu une avance importante par rapport à la normale. Sí. En effet, comme vous le dites, il y a eu un avance en la cosecha, la récolte s'est avancée, mais en plus de ce fait, il y a eu un chevauchement entre certaines zones. Et même au sein de chaque zone, nous avons observé que la maturation a été très très rapide, particulièrement rapide. Et ceci a fait qu'il y a eu une grande accumulation de produits sur le marché. Et les coopératives et les producteurs ont dû récolter plus vite que ce qu'ils avaient fait précédemment. Et tout ceci, donc, a beaucoup nuit au développement normal d'une campagne. Pour compléter sur le déroulement de cette campagne 2014 au niveau de la Catalogne, bon, j'imagine les mêmes résultats, les mêmes conséquences. Oui, pour faciliter la traduction, je vais m'exprimer en français. Comme vient de dire mon collègue, l'année passée, c'était une année très compliquée. La caractéristique, le problème, ce n'était pas la Russie, c'était l'avancement des récoltes, comme tu viens de dire. Non, un avancement des récoltes qui mettait au début de la campagne, à l'initial de la campagne, beaucoup de volume dans ce moment où on ne pouvait pas faire sortir ces volumes. Alors, le déséquilibre offerte, la demande, c'était pénible. Les prix ont descendu beaucoup et c'était une campagne terriblement négative pendant toute la campagne. Une fois on arrivé au mois, en ce qui respecte au volume, c'était, oui, à l'Espagne, on constate une croissance des exploitations. Chaque année, la Catalogne et l'Aragon se consolident comme une des régions plus solides pour la production de pêche nectarine. Mais si on regarde l'évolution historique, on avait plus de pêche nectarine que des années avant à l'Europe. C'était plus une reconversion variétale qu'il y a pendant les dernières années, non? Mais je crois que le problème, ce n'était pas un volume, parce qu'à la fin, tout s'est vendu, tout, absolument tout s'est vendu. Le problème, c'était cet avancement de récolte, ce déséquilibre qui provoquait une baisse de prix au début de la campagne. Et on attendait, à l'initial de mois d'août, un changement de la situation, hein, un changement positif en ce qui respecte une réactivation des prix. Mais en ce moment-là, commençait le veto russe et bon, c'était impossible de remonter la situation jusqu'à le moment qu'on a vu la mesure extraordinaire, le règlement extraordinaire de Bruxelles, qui comme toujours arrivait tard, parce qu'on demandait ça au début du mois de juillet. Okay? Ça, c'est un peu la caractéristique de l'année passée. Hein? Possiblement. Encore, il y a des personnes que j'écoute qui disent que l'année passée, le problème, c'était la Russie. Non, l'année passée, le problème, ce n'était pas la Russie, c'était l'avancement de la récolte. Et est-ce que ce problème de prix, il a été équitable et équilibré entre les différentes sous-espèces, pêche nectarine et notamment pêche plate, ou est-ce que les pêches plates ont réussi à sortir un petit peu leur épingle du jeu? En général, pour toute l'espèce, pour toutes les variétés, le problème c'était le même, hein, parce que l'avancement de récolte a affecté toutes les variétés. Et, initialement, le pêche plate avait plus de force, mais finalement, affecté toutes
toute la spèce globale pêche nectarine et pêche plate. Et Javier Bassos, peut-être au niveau de l'évolution des pêches pavies, on a eu connu pendant pas mal d'années une baisse de la production en Espagne en particulier, mais également dans toute l'Europe. Et on dirait que cette baisse est en train de se stabiliser, ces surfaces de pavies sont en train de se stabiliser. Vous analysez comment cette évolution? Bueno, pues lo que estamos viendo es que d'après ce que nous voyons, après les baisses importantes qu'il y a eu ces dernières années, il est vrai qu'en ce moment, la production est stabilisée. Il y a certaines plantations de pêche jaune, de pavis, principalement pour être vendues en frais. Et pour ce qui concerne l'évolution des fruits destinés à l'industrie, je crois que c'est aussi très stabilisé. La capacité de production est ce qu'elle est. Et par conséquent, nous adaptons cette capacité de production et d'industrialisation à la capacité de production sur le terrain. Et c'est en général ce qui se passe en général. Et je crois qu'il y a une grande stabilité. On y reviendra sur le sujet pavis avec les Grecs, puisque c'est les plus gros producteurs. Moi, j'avais une autre question en frais au niveau de l'évolution du verger. Donc, les deux régions du nord de production de l'Espagne, que sont l'Aragon et la Catalogne, ont connu une forte croissance des volumes et des surfaces ces dernières années. Après une année compliquée comme cette année, comment évolue le verger du nord de l'Espagne, le verger aragonais ou catalan? Est-ce qu'on continue cette dynamique de plantation ou est-ce qu'on commence à connaître une période de stabilisation un petit peu? Bueno, los datos que nosotros les données que nous avons indiquent que l'on continue à planter, mais pas au rythme des années précédentes. Par conséquent, je crois que l'on tend à une stabilisation. Je crois que les grandes zones de production, d'après ce que je connais pour l'Aragon, mais je pense qu'en Catalogne c'est semblable, ont déjà une capacité très très importante. Par conséquent, je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à de grandes augmentations pour ce qui est des hectares. Il y aura peut-être une petite augmentation si la campagne nous accompagne, mais je crois que le style général sera plutôt la stabilisation pour ce qui est de la production. Et il peut y avoir une certaine croissance de certaines espèces, mais plutôt à cause de l'inertie qui vient des années précédentes. J'ai une donnée pour exprimer ça. Il y a une diminution de la vitesse ou du rythme de plantation à la Catalogne depuis la dernière campagne, comme 2011 avec la crise de l'Escherichia coli, le 2013 aussi, le problème c'était un autre aussi. L'année passée c'était le problème à l'avancement des récoltes, le 2013 c'était le retard. Et on trouvait le problème à la finale de la campagne. J'ai une donnée très identificative de cette situation. L'année 2011 à la Catalogne, on faisait plantation à niveau de 2500 hectares par année. Et l'année passée, 2014, on a fait presque 1000 hectares. Oui, on a un renouvellement de notre plantation, mais le rythme de plantation a baissé beaucoup, hein, a baissé moins de la moitié, de 2500 à 1000 hectares année. Si on parle à la Catalogne, on a 23 25 000 hectares, ça c'était un 10% ou plus d'un 10% de renouvellement le 2011 et moins que la moitié l'année passée comme un résultat de cette dernière campagne. Donc si on passe aux prévisions de 2015, bon, cette année, la date du Metfel est assez avancée, assez précoce, donc difficile de réaliser des prévisions très fiables. C'est un exercice qui est toujours difficile, l'exercice des prévisions, mais particulièrement cette année avec une date avancée et en même temps, comme on l'a dit au début, une végétation qui est plutôt, elle, en retard. Donc comment vous analysez la situation en 2015? Comment s'est passée la floraison? Comment se présente la récolte 2015? Bueno, pues hasta ahora, la información que tenemos jusqu'à maintenant, l'information que nous avons de toutes les zones de production, c'est que le printemps s'est bien passé. Dans le sud, ils ont eu un régime de précipitations supérieur à la normale, donc cela a été très favorable pour les nouaisons. Donc. Et dans le sud, ils croient qu'il y aura un retard pour la récolte qui se passera donc aux dates normales. Nous avons dû donc
tout a été beaucoup plus précoce l'année dernière. Et ils disent qu'il y a un peu moins de fruits dans les arbres par rapport à la campagne de l'année dernière. Donc, ils espèrent qu'il y aura une bonne qualité, une récolte comme celle de l'année dernière, mais peut-être il y aura davantage de qualité à cause de ces bonnes conditions de la récolte. Et dans le nord, en Aragon, en Catalogne, le printemps a été très bon, il n'y a pas eu de grêle, il n'y a pas eu non plus de problème de gel. Et on voit qu'il y a moins d'unités, de nouaisons dans les arbres. Et je crois que cela sera l'un des avantages de la campagne. Je suis convaincu que la qualité sera au rendez-vous. Et nous espérons donc que la maturation suivra aussi cette même dynamique. Elle sera échelonnée. Après la floraison et la nouaison, nous espérons que cette maturation va être échelonnée et donc les conditions sur le marché seront bien meilleures et on pourra bien gérer la campagne. Nous sommes convaincus que cela aura un impact sur une meilleure commercialisation et sur une défense des prix des plus intéressants que pendant la campagne 2014. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Oui, je constate ça. Et à la Catalogne, on a un retard de récolte entre 5, une semaine ou 10 jours en fonction des variétés. Ça, c'est positif parce qu'en contre de la campagne passée, que je viens de dire que le problème c'était l'avancement de la récolte, maintenant on aura la récolte dans des dates normales et aussi sans un excessif sous la page, on dit, ouais, en français, surcharge entre différentes zones de production. Alors ça c'est la partie positive. À la Catalogne on a une prévision de croissance naturelle qu'on dit dans 3%, avec une production de pêche plateau qui sera supérieure par la seconde année consécutive à la pêche ronde. Ça, c'est bon aussi, respecto les autres zones de production de l'Europe, parce qu'on se caractérise pour un nouvel produit, la pêche plateau, pour ne mettre pas plus de pression sur la pêche ronde. Et alors, bon, c'est ça. Je crois que la caractéristique positive, si on doit réfléchir quelque chose de positif, c'est ça, une production similaire, un peu plus, mais une croissance naturelle et un avancement de récolte. On n'a pas un avancement de récolte. On a un retard en respect de l'année passée et pour autant, des situations normales. Alors, on affronte cette campagne avec optimisme. Je voudrais aussi ajouter, Eric, que l'évolution de notre exportation de l'Espagne et de la Catalogne spécifiquement, c'est très positif les dernières années. On a une position au marché très forte. Et chaque année, on augmente notre exportation. La position à l'Europe, mais aussi les exportations extra-communautaires. Ça, c'est positif. C'est positif. Exclusivement les exportations de Catalogne par seconde année consécutive. Et ça serait une chose négative possiblement pour mes collègues de l'Italie, mais on a supéré, selon les données, les exportations de notre premier pays compétiteur, concurrent, que c'est l'Italie. Pour nous, c'est une question très positive parce qu'on a un produit avec une qualité qui très coordonnable avec notre zone de production et une position au marché très forte. Et des alternatives à la Russie, comme on peut voir, selon les données après le mois d'août. Ok, donc on va passer aux chiffres par région, dont la tendance, comme vous l'avez vu dans les explications, de l'évolution du verger espagnol. C'est avec une certaine stabilité pour les zones de production du sud et une augmentation des surfaces, même si elle se ralentit, cette augmentation des surfaces, dans les zones du nord.
Donc tout ça, ça donne avec donc 2014, on n'avait pas de problème climatique particulier, même chose en 2015, donc un potentiel de production qui est équivalent. L'évolution, elle est juste liée à l'évolution des surfaces, et des surfaces notamment qui rentrent en production. L'Andalousie, une région qui est stable, donc en termes de surface, donc un potentiel de production qui sera similaire à celui de l'année passée, avec, c'est vrai, un décalage important des maturités, puisque l'année dernière, l'Andalousie avait déjà, à cette époque-là, commencé les premières récoltes, alors que là, ce n'est pas encore le cas, et les prochaines pêches ne sont pas encore, les premières pêches ne sont pas encore présentes. Donc, stabilité au niveau Andalousie. L'Extrémadour, à peu près stable également, en termes de surface et en termes de potentiel de production. À noter que c'est une région qui a assez peu, l'Andalousie pas du tout, et l'Extrémadour assez peu misé sur les pêches plates qui apparaissent ici dans les graphiques en rouge. Donc l'Extrémadour qui est sur un calendrier de production précoce, mais moins que l'Andalousie. La région de Murcia qui, elle, a fortement misé, comme la Catalogne et l'Aragon, sur les pêches plates. Et on voit nettement donc cette partie de production qui augmente, au détriment notamment des pavis, même si c'est en train de s'équilibrer. Donc les pêches rondes également ont diminué, ainsi que surtout les nectarines au profit des pêches plates. Donc là également, potentiel de production assez stable. La région de Valence, qui est une petite zone, mais qui également est en train de se stabiliser avec pas de problème climatique, donc un potentiel de récolte normal. Et enfin, les deux grosses régions du nord, de l'Espagne, la vallée de l'Ebre, avec la Catalogne, où vous voyez la part de pêche plate qui est importante et qui devient, comme le disait Manel, plus importante que la part de pêche ronde, et la part de pavis qui a fortement régressé. Donc potentiel légèrement au-dessus de l'année dernière, mais ce n'est que par l'entrée en production de nouveaux vergers, parce qu'effectivement, vu l'inertie des plantations fruitières, même si les plantations se ralentissent, pendant 2, 3, 4 ans, on aura naturellement cette augmentation de potentiel compte tenu des plantations réalisées au début des années 2010. Et enfin, l'Aragon, où la part de pavis reste importante et en train de se stabiliser, où là aussi, on a la part des pêches plates qui a augmenté. Pour dire globalement que le potentiel de pêche plate en 2015 devrait se situer autour de 250 000 tonnes, ce qui est quand même assez important. Et comme le disait Manel également en termes d'exportation, mais c'est le cas en termes de production globale, vous le verrez tout à l'heure, on a l'Espagne qui, toute espèce confondue, pavie compris, passe devant l'Italie en termes de production européenne. Donc tout ça donne une production 2015 qui sera assez proche de celle de l'année dernière, avec juste un petit peu d'augmentation liée à l'entrée en production des jeunes vergers. Et donc une part de pavis qui est un petit peu à la baisse, mais qui se stabilise, et une stabilité en pêche nectarine et la part des pêches plates qui continue à augmenter encore, là aussi avec des jeunes plantations qui rentrent en production. Donc voilà la présentation des différentes régions, avec le nord, la vallée de l'Ebre, qui prend de plus en plus de poids sur cette production espagnole, avec donc toutes les volontés de développer des exportations sur l'Union, également au niveau des pays tiers. On passe à la Grèce, avec la production qui est concentrée dans le nord de la Grèce, la région de Macédoine, avec l'année dernière une production qui était relativement abondante et normale, on va dire, pas d'accident climatique particulier. Donc comment s'est déroulée cette campagne au niveau des producteurs grecs en 2014, avec là aussi le déroulement de campagne en début de saison, et puis après l'embargo russe. Donc comment sont passés ces événements et l'impact qu'ils ont eu sur le marché. Alors l'année dernière, on a eu une petite baisse, à peu près moins de 5% des productions à cause d'un grêle à certaines régions. Au niveau qualité, on peut dire que c'était une bonne année, sachant que quelques variétés précoces ont subi des dégâts à cause des pluies. Sinon, donc on peut dire qu'au niveau prix, on avait des prix plus bas que l'année 2013. À partir du mois de juillet, la première semaine du mois de juillet jusqu'au 7 août, on peut dire que c'était une très très mauvaise année, une des plus mauvaises années pour les producteurs. Et je suis d'accord avec mes collègues, mais je suis par contre de l'avis que je pense que les problèmes
La cause du problème, c'est que les quantités ne pouvaient pas être écoulées normalement en Grèce. Donc, ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et sachant que pour nous, c'était un pays importateur. Et en plus, cela, en combinaison avec la chute du rouble, eh bien, ça a accentué le problème. Et avec le temps, on a constaté qu'au niveau européen, nous produisons des produits, beaucoup plus de produits que ceux que consomme l'Europe. Et en plus, nous produisons à quelques régions des produits qui n'ont pas de goût et qui n'ont pas de parfum. Et qui n'ont pas de couleur. C'est pour ça qu'on voit des statistiques chaque année où la consommation par tête en Europe diminue, contrairement à d'autres produits où on voit une augmentation. C'est un point, donc, il faut tenir compte et il faut qu'on réfléchisse que tous les producteurs nectarines et pêches, il faut faire des efforts, voir comment faire face à ces problèmes. Parce que si on continue comme ça, on va arriver à un blackout. On ne pourra pas vendre nos produits. Nous disposons encore des produits de pêche nectarine à des prix très très bas. Et là, ça sera. Et si on continue comme ça, eh bien, ça va être la catastrophe pour la filière, le secteur. Et ensuite, bon, en parlant de la barque, de l'embargo, eh bien, pendant deux semaines, on a eu des annulations de commandes à cause de la mauvaise psychologie des marchés. Ils ne savaient pas quoi. Chargé, tout était annulé. Le seul point positif, c'était que le point positif, c'était à la fin de la campagne. Les régions précoces qui avaient beaucoup de produits dans les dépôts, dans les entrepôts, ils ont réussi à les écouler ensuite avec les mesures exceptionnelles, comme ma propre région d'ailleurs. Ce qui a permis de nous voir une tendance du mois de septembre jusqu'à la fin de la campagne, une évolution successive des prix. Mais en général, on peut dire que globalement, c'était une très très mauvaise année pour la Grèce. Une petite chute au début, une énorme chute au milieu. Jusqu'à la première quinzaine de mois d'août, et ensuite une petite augmentation des prix tout doucement, successive. Mais nous, quant à l'embargo, l'impact de l'embargo, l'impact le plus important, on l'a noté surtout à des opérateurs qui travaillaient exclusivement avec la Russie. Sinon, nous, on a d'autres débouchés, donc on ne peut pas dire qu'on a été très, très touché à cause de l'embargo. La Grèce est le premier producteur de pêche pavie. Donc, on a vu tout à l'heure en Espagne qu'on constate une certaine stabilisation maintenant après une baisse ces dernières années. C'est la même chose en Grèce. Le marché de la pavie semble pouvoir trouver un nouvel équilibre au niveau européen et mondial. Non, on peut dire qu'en Grèce, pour le pavie, il y a une tendance croissante. Et cela est dû au fait que des régions traditionnelles de pêche de table, ils ont changé leur surface il y a 10 ans, mais c'était le contraire, ce que je devrais dire. Les 3 dernières années, on a commencé, à cause des meilleurs prix, à avoir de nouvelles plantations de pavis. C'est pour ça qu'on voit cette tendance à la hausse du pavis en Grèce. Cette année 2015, les conditions climatiques, comment se présente la campagne en Grèce? Περάσαμε μια
un printemps avec une floraison très étendue, des températures basses, et on ne peut pas prévoir encore combien de fruits vont rester sur l'arbre et combien ils vont tomber. Nous croyons que si on continue comme ça, on peut prévoir qu'on aura une année comme celle de l'année dernière. Donc au niveau des chiffres, des prévisions de récolte, comme le disait Nikos, donc l'année dernière, une campagne qui avait été très légèrement déficitaire avec quelques problèmes de grêle, notamment en cours de saison, si on revient aux diapositives, avec cette année un potentiel qui semble normal, même si c'est vrai que la Grèce est un pays assez tardif, donc difficile de faire des prévisions, donc un potentiel qui se rapproche à celui de l'année passée avec, comme on l'a vu, la part des pavis qui, depuis 2-3 ans, est en train de reprendre un petit peu, puisque le marché industrie semble plus porteur qu'il ne l'a été par le passé. Donc une stabilité de la production entre l'année dernière et cette année pour les pêches, nectarines et pavis en Grèce. Donc la région de Macédoine qui reste bien sûr la principale zone au niveau des pêches en Grèce. On passe à l'Italie. Avec l'année dernière, donc la répartition des productions, avec globalement trois zones principales dans le nord, avec le Piémont, Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne, et l'Italie du Sud, qui est la grosse zone de production précoce sur le sud, entre les régions de Campanie, Calabre, Sicile notamment. Donc on va passer la parole à Elisa Macchi pour faire un petit peu le point sur cette campagne 2014 qui a été marqué peut-être encore plus qu'ailleurs par les mauvaises conditions climatiques pendant tout l'été, puisque l'Italie, je crois, et notamment le nord de l'Italie, a battu des records de pluviométrie et de jours de pluie l'année dernière, ce qui a sans doute eu un impact à la fois sur la production, mais aussi sur la consommation. Oui, sur la situation de 2014, je n'ai rien à ajouter par rapport à ce qui a été déjà dit par les collègues espagnols et grecs, vu que la crise a été une crise de marché sur toute l'Europe et les raisons étaient déjà expliquées. Nous n'avons pas eu en tant qu'Italie en 2014 une production très élevée, parce que dans le sud, la production a été très inférieure par rapport au potentiel moyen et dans les régions du nord où nous avons eu une bonne production, depuis quelques années, nous voyons une réduction des surfaces. Donc la production de l'Italie en 2014 était en baisse par rapport aux années précédentes, mais la production européenne était augmentée. Il s'agit là d'un discours de volume qui est important pour l'allure des marchés et les tendances de marché. Je voudrais ajouter une autre chose. Nous avons été pénalisés par les incidents climatiques. Nous exportons des volumes limités qui représentent 25% de notre production. Le reste s'écoule sur les marchés nationaux. Et donc, nous avons eu des températures très basses pendant tout l'été, beaucoup de pluie qui a entraîné deux facteurs, c'est-à-dire des problèmes de qualité. Il y en a trois vraiment. Qualité, difficulté des consommations parce que les nectarines, ce sont des fruits d'été qui se consomment lorsqu'il fait chaud. Donc, beaucoup de difficultés. Et des récoltes qui se sont produites dans un délai de temps beaucoup plus limité par rapport à la normalité. Donc, des accumulations de produits très importants parce qu'avec les pluies, on a dû bouger très vite et récolter très vite. Voilà un des facteurs très importants de la crise qui n'est pas structurelle, c'est seulement conjoncturel. Et nous espérons que cette année, les choses soient différentes parce que l'année 2014 a été exceptionnelle. Pour ce qui est de l'embargo russe, nous n'avons pas été très touchés parce que nous n'exportons pas de gros volumes vers le marché russe.
et il est clair qu'on a ressenti une plus de compétition sur d'autres marchés, vu que d'autres pays européens qui s'adressaient vers la Russie ont dû réenvoyer leur volume sur d'autres marchés qui sont peut-être nos marchés. Et même dans notre marché italien, nous avons vu beaucoup de concurrence entre les différents pays en 2014, année vraiment critique parce qu'il y a eu beaucoup de facteurs négatifs. Au niveau du verger, quelle est l'évolution du verger? Il semble que dans le nord, dans les régions du nord, il y a quand même une tendance un petit peu à la baisse au niveau des surfaces. Et dans le sud, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ce que j'avais dit avant. Donc, l'Italie, elle est très diversifiée pour ce qui est des nectarines. Dans le sud, les surfaces tiennent bien. Il y a des régions où on est en train de planter sur des vergers de nectarines. Mais ce n'est pas grand-chose, disons. Mais la capacité de production du sud est constante ou avec une légère augmentation. Au nord, nous avons des problèmes dus aux crises de marché depuis quelques années. Nous sommes en train de déraciner et les renouvellements de fruitiers sont très limités. Je ne pense pas seulement de l'Émilie-Romagne, mais le Piémont, les Vénéties, où il y a des pourcentages de baisse importantes. Pour cette année 2015, quelles ont été les conditions climatiques de l'hiver et du début du printemps et comment vous envisagez le déroulement de cette campagne 2015? Ici, je vais répéter ce qui a été déjà dit par mes collègues. Ce sont des indications parce que pour nous, bon, il faut dire que l'année passée, on a eu des productions précoces. Cette année, on a des retards de la maturation et à ce jour, on pense à un retard de 10 jours par rapport à 2014. Donc, nous vivons une condition qui nous empêche de donner des chiffres parce que nous ne savons pas ce qui va se passer d'ici à la récolte. Mais si nous regardons la situation, comment elle se présente aujourd'hui, au niveau de rente ou de floraison ou de nouaison, il n'y a pas eu de gros problèmes dans toute l'Italie. Il est clair que dans le sud, où l'année passée nous avons eu une production limitée, eh bien, cette année, si la situation reste comme elle est, on peut espérer une augmentation. Dans le nord, quoique nous ayons une bonne production 2014 et nous espérons une bonne production 2015, nous avons une baisse des surfaces de l'ordre de 5-6% pour le nord, mais nous avons même des réductions des surfaces qui peuvent atteindre 10% Donc effectivement, une évolution des surfaces qui va impacter directement les niveaux de production, puisqu'on attend, comme dans des autres bassins de production, une production relativement normale, sans accident climatique majeure. Donc si on regarde la répartition de ces évolutions par région, en commençant par le sud, comme le disait Elisa, avec l'année dernière, en 2014, une réduction inférieure à la normale dans le sud de l'Italie, alors que cette année, on attend a priori un potentiel normal avec une surface qui sont stable ou en légère augmentation dans cette région du sud de l'Italie. Pour le centre, qui est une petite zone de production donc qui pèse assez peu, donc on a eu, après une forte baisse de surface apparemment, une certaine stabilité, mais c'est une région qui est quand même assez limitée, qui est principalement sur le marché interne. Si on parle des trois grandes régions de production du Nord, en commençant par la Vénétie, là aussi, comme le disait Elisa, une baisse des surfaces qui explique la baisse de production, sachant que les rendements hectares sont normaux cette année, mais c'est simplement la répercussion des arrachages qui fait qu'on a une légère baisse du potentiel de production, donc une baisse de la production prévue en 2015. Même chose pour le Piémont, avec là aussi le plein l'année dernière, et cette année, les rendements corrects, mais avec des surfaces qui ont diminué, et donc un potentiel à la baisse. Et surtout en Émilie-Romagne, qui est la grosse zone de production et d'exportation du Nord, là aussi, la même tendance baissière du verger italien qui fait que la baisse des surfaces impacte directement le potentiel final. Donc si on fait le bilan total de l'Italie, on voit qu'on a globalement une baisse du potentiel total italien avec, pour cette prévision 2015, une bonne production et une bonne surface qui se maintiennent dans le sud, une baisse des surfaces dans le nord avec donc un potentiel qui se rapproche de l'année dernière mais qui sera en dessous du potentiel qu'on connaissait par le passé au niveau italien. Donc on le verra par rapport également à la répartition des différents pays producteurs en Europe.
Donc voilà la répartition des régions productrices avec l'Émilie-Romagne qui reste la grosse zone de production du Nord, qui est exportatrice, et le Sud, qui est de loin la plus grosse zone de production, mais qui est quand même moins structurée, moins organisée, et dessine beaucoup de sa production sur le marché national, le marché interne. C'est vrai qu'il faut rappeler les conditions climatiques assez mauvaises de l'année dernière, en espérant que cette année, on ait une consommation qui soit à la hauteur, puisque l'Italie est un gros consommateur et donc permet à lui seul, le marché interne permet à lui seul d'avaler beaucoup de la production italienne. On va passer à la France, avec l'année dernière, en 2014, la répartition des zones de production. La campagne 2014 a été difficile également pour les producteurs français, donc comment vous l'avez analysé au niveau de l'AOP ? Comme tous nos collègues, bien sûr, on n'a pas échappé à cette mauvaise campagne 2014. Moi, je voudrais insister sur le fait, alors, des collègues espagnols ont beaucoup insisté sur la précocité de la campagne 2014 et notamment sur ce chevauchement qu'on a eu et rappeler le climat qu'on avait au mois de mai et juin 2014, hein, puisqu'on se rappelle qu'on avait quand même des grosses chaleurs sur le mois de mai, le mois de juin. Et c'est la première fois que je vis ça, moi, au niveau de l'AOP, c'est que dès l'entrée en production de la production française au mois de juin, on s'est retrouvé très vite dans un marché saturé, avec des prix très bas, et des stocks qui ont monté dès la première semaine d'apport. Donc c'est quelque chose qu'on avait peu connu. Derrière, on a cumulé beaucoup de handicaps, dont la collègue italienne a rappelé une météo quand même exécrable au mois de juillet. Et notamment, alors on a souffert aussi au niveau qualitatif. Je voulais rappeler que notamment en hectarine, les écarts en verger, en station ont été plus importants que d'habitude. Et puis pour couronner le tout, mes collègues l'ont rappelé, même si directement la France n'a pas été concernée, ben ça a été l'embargo russe dans un marché déjà très morose et qui est arrivé le 7 août, où il nous restait à peu près 20% de production française. Donc au final, c'est vrai que les volumes, malheureusement, ramenés à l'hectare n'ont pas été là, enfin les volumes commercialisés, avec des prix très bas, et ce qui fait qu'aujourd'hui, la campagne a été bien sûr négative, comme tous nos collègues européens. Voilà, mais j'insiste sur le fait qu'on a quand même cumulé beaucoup de handicaps, et notamment cette entrée de marché qui n'était pas essentiellement liée au volume global européen, mais véritablement un déséquilibre au niveau de l'arrivée des produits. Et le collègue a insisté notamment sur les récoltes, et on se souvient qu'au mois de juin, il y avait des cumuls variétaux qu'on n'avait pas connus non plus. Voilà, donc insister sur ce fait un peu exceptionnel 2014 avec ce cumul de beaucoup d'éléments qui ont été contraires à ça. Bon, les éléments positifs qu'on peut, s'il faut en relever un, c'est que quand même la distribution française a joué le jeu pour accompagner la production française. Et je crois que ça, on l'a fait en 2014 et on va réinsister pour 2015 parce que c'est un des points importants. On n'est plus qu'à 220 000 tonnes à peu près aujourd'hui sur un marché de 3 millions de tonnes. Donc on a des atouts à mettre en avant. Ça a suivi sur 2014, le différentiel de prix n'a pas été suffisant et les résultats, malheureusement, font que la grande majorité des entreprises pêche nectarine ont terminé, malheureusement, négativement la campagne 2014. Donc ces campagnes difficiles, même si 2013 avait été une campagne correcte, ces campagnes difficiles ont eu comme impact une évolution à la baisse du verger. Donc comment vous observez cette baisse et est-ce qu'il y a des solutions pour stabiliser un petit peu cette baisse ? Ben, malheureusement, on va le voir dans les prévisions 2015, hein, on a une baisse par rapport à l'année dernière, mais qui est essentiellement liée à une baisse de surface. Cette baisse de surface, on ne peut pas dire qu'elle est stabilisée, parce que ces problèmes économiques font qu'il y a encore quelques arrachages à ce niveau-là. Il y a quelques problèmes sanitaires aussi sur certaines régions, on pense à la charca. Donc ça, c'est des éléments, on va dire, un peu négatifs. Par contre, on sent, je redis cet élément positif par rapport à la distribution française, on sent qu'aujourd'hui, ce produit français, on peut le mettre en avant dans les rayons. Hier, on avait une réunion notamment avec les pommes et poires pour mettre en avant les vergers éco-responsables, et je crois que ça va prendre de l'ampleur dans ces années à venir, et c'est bien là-dessus qu'on va se poser, parce que je rappelle qu'on représente un peu moins de 10% de la production européenne aujourd'hui, donc il faut qu'on mette ces atouts de vergers éco-responsables, notamment avec le côté environnemental, qu'on essaie véritablement de mettre en avant et de défendre nos positions. Oui, pour revenir un petit peu sur des points positifs, dans un contexte assez morose, il y a quand même des entreprises qui ont des projets.
la preuve en est, notamment les projets d'entreprise du département des Pyrénées-Orientales avec des coopératives qui, compte tenu de la baisse du potentiel, ont des projets, plus que des projets, ont réalisé des actions pour développer leur production. Il y a donc encore des entreprises qui y croient et qui veulent maintenir le niveau, leur niveau de production et leur présence sur le marché. Elles veulent le maintenir en sachant que, alors ça c'est typiquement le problème français, mais on arrive à 220 000 tonnes. Ça veut dire qu'on est bien loin aujourd'hui de la consommation française et que l'un des enjeux, c'est d'être présent dans les rayons et qu'on sait que la pêche espagnole est présente, hein, puisqu'elle représente à peu près 30% de la consommation aujourd'hui. On sait que dans ces 30%, il y a 10% de pêche plate, où ça, c'est un des handicaps où la France n'est pas présente. Voilà, donc ça va être un enjeu majeur de défendre ces 70% aujourd'hui véritablement sur la consommation française et d'avoir notre place dans les rayons. Mais je pense qu'on a quand même, vous l'avez rappelé, des entreprises plutôt volontaristes. Et la baisse, si on enlève le côté sanitaire, je pense qu'on est plutôt sur une stabilisation. On n'est pas sur une remontée, mais on sent des projets d'entreprise et on le voit au sein de l'AOP, puisque même si dans quelques jours, on va fusionner l'AOP Pêche et Abricot, ben voilà, il y a une quarantaine d'entreprises qui, de façon volontaire, ont envie de défendre cette pêche française et l'abricot français également. Pour parler de la campagne 2015, donc comment elle se présente, les conditions climatiques qui ont été finalement assez favorables? Alors, assez favorables. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incident climatique dans les trois régions de production. On va dire qu'on a 10-12 jours de retard. Mais bon, je pense qu'on en rattrape un certain nombre là, avec le climat qu'on a aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, aujourd'hui, ça se présente plutôt favorablement. On sera peut-être plus précis. Mais encore une fois, la baisse qui est annoncée, c'est uniquement une baisse de surface, puisqu'on sent un éclaircissage dans toutes les variétés. Donc qualitativement, aujourd'hui, on a plutôt des feux verts à ce niveau-là. Et puis, voilà, on espère qu'on aura une entrée de marché qui sera complètement différente de ce qu'on a pu connaître en 2014. Donc si on passe à cette présentation des prévisions pour 2015 avec la région Rhône-Alpes, pour démarrer, avec, comme on l'a vu dans d'autres régions au niveau français, donc une baisse du potentiel depuis certaines années, et donc une légère baisse de surface entre 2014 et 2015, et un potentiel de récolte qui, le rendement hectare devrait être correct, mais un léger recul de 3, 4, 5% des surfaces qui impacte directement le volume, même si c'est vrai que cette baisse semble aujourd'hui se stabiliser. Au niveau PACA, même chose, une petite diminution des surfaces et donc avec un potentiel de récolte qui est normal au niveau des vergers, on devrait avoir une toute petite baisse du potentiel 2015. Enfin, Languedoc-Roussillon, qui est la première région de production, là aussi, après une forte baisse ces dernières années, notamment avec des problèmes sanitaires, on a encore quelques arrachages, mais une certaine ralentissement de ces arrachages et donc un potentiel qui devrait être très légèrement en dessous. Et donc ce qu'on observe bien sûr au niveau national, au niveau France, avec une production qui devrait être très légèrement inférieure à celle de l'année passée, puisque l'année dernière on était autour de 230 000 tonnes, et cette année on aurait se situé autour de 220 000 tonnes de production. La répartition sur les différentes régions, Languedoc-Roussillon restant la première région de production, et avec PACA et Rhône-Alpes, et donc une zone plus petite au niveau du bassin sud-ouest globalement. Donc une campagne 2015 qui s'annonce, comme dans les autres régions, plus tardive que celle de l'année dernière, donc sur des dates relativement normales, et avec une évolution à la baisse liée principalement à la baisse des surfaces. Si on compile un petit peu tous ces éléments, donc on a vu une baisse en Italie, une baisse en France, une stabilité en Grèce et une augmentation liée à l'augmentation des surfaces en Espagne, tout ça cumulé, donne une légère augmentation du potentiel 2015, mais ce potentiel finalement en pêche nectarine, il est relativement stable. Vous voyez au niveau des couleurs bleu ciel et violet, la différence se fait principalement au niveau des pêches plates qui continuent leur développement. Donc on a un potentiel pêche nectarine européen qui va rester similaire à celui de l'année passée, et une part de pêche plate qui va continuer à la hausse, et une certaine stabilisation de la pêche pavie. Si on compare cette campagne 2015 à on fait un retour jusqu'aux années même 90, ben on voit qu'on est sur des niveaux qui sont normaux, disons optimum par rapport aux surfaces qui sont présentes, mais on est autour de 3 millions de, de,
de tonnes de pêche nectarine, 3,5 millions si on rejoint les pavis. Et donc l'apparition des pêches plates que vous voyez en rouge, qui n'existaient pratiquement pas avant les années 2010 et qui deviennent un nouveau segment. Alors, est-ce que c'est un nouveau segment? Est-ce qu'il y a quelle est la part de concurrence de ce nouveau segment sur les pêches rondes et les nectarines? Quelle est la part de création de nouveaux marchés que cela amène? Ça, c'est la question sur laquelle on va pouvoir réfléchir dans les années à venir. En tout cas, donc, un potentiel de production 2015 qui sera finalement assez proche de celui de l'année dernière. Donc, encore une fois, avec une baisse en Italie et en France, stabilité en Grèce et augmentation en Espagne. Ce qui donne comme panorama 2015, mais comme je vous le disais, pour la première fois, l'Espagne, toute production confondue, donc pavis compris, qui devient le premier pays producteur, avec l'Italie juste derrière, et ensuite la Grèce et la France. Voilà un petit peu le panorama. Donc, bien sûr, comme on l'a dit également, difficile de faire ses prévisions de récolte à cette époque avec ce calendrier précoce au niveau de la date du salon et à l'inverse, un calendrier tardif de la végétation. Donc, ces prévisions, comme tous les ans, seront bien sûr réactualisées tout début juin. Donc, ce sera d'autant plus important cette année puisqu'on pourra, de manière un peu plus affinée, voir ce qui se passait dans les différentes zones de production. Je ne sais pas s'il y a des compléments qui veulent être apportés par les différents intervenants sur un bilan un petit peu ou est-ce qu'il n'y a rien de particulier. Manel? Oui. L'unique chose que je voudrais ajouter, c'est demander à Metfel de retarder cette exposition. Sinon, ce sera impossible pour nous parce que c'est trop forcé. Parce que si on lance un message maintenant, le message de juin, possiblement, ça ne servira à rien. Non? Alors, c'est une pétition formelle qu'on va faire à la direction de Metfel, parce que sinon, on va faire un complot ou quelque chose hein, plus agressif. Non? Et sinon, on ira à l'Espagne voir le Barça et voir si on gagne la Champions et tout ça, plus que faire des prévisions comme ça. Hein? Alors, c'est une pétition formelle, hein, parce que c'est trop difficile. En ce qui respecte à cette nouvelle campagne, je crois qu'il faut lancer le message qu'on est optimiste, parce qu'on est dans un calendrier normal, parce qu'on a fait des ouvertures de nouveaux marchés, parce qu'on a d'alternatives, et parce qu'il n'y a une autre alternative. Il faut être optimiste. Okay? Et pendant les prochaines semaines, on sera en contact dans le groupe d'interchange de formation d'Arefel avec toute notre région de l'Europe pour partager des informations de marché et être alerte des possibles situations. Mais la nouvelle la plus importante, c'est qu'on a une production normale, une production similaire à l'année passée et que le calendrier de récolte nous donne des espérances positives. Merci. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres compléments, on va clôturer ici. Vous remercier de votre attention, vous dire que vous pouvez récupérer les documents des prévisions de récolte à l'accueil, à la banque où vous avez déjà récupéré vos appareils pour la traduction. Vous remercier, vous dire à l'année prochaine, à une date plus tardive. Au revoir.